Allez, voyons voir. Suspense. Déjà, le jeu galère à charger, c'est très mauvais. Ah non, ça grésille! Voyons, logiciel. T'aurais pu me le dire avant que ça grésillait, voyons. Ça commence très bien ce soir. Voilà. Pas du jonc. Oh! La sobriété. Palabalabam. Palabalabam. Palabalapapapapadam. Le JPEG. Cette invention de l'être humain qui a été utilisée dans les jeux vidéo depuis la nuit des temps. La concentration de miasme s'intensifie. Eh oh, explorez pas mon slibard! Ils sont dans mon vieux slibard. Merde. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. C'est de toi qu'on parle Soyons ou... prudents, on ne sait jamais. Oui, oh, des PNG si tu veux. Ah ouais, dire... Genre, t'as toute ta vie et tout, oui. Sous-sol du château d'Hyrule. Pom 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 pom. Oui, bain dans le miasme. Bloup, 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 bloup. Nerf d'endroit, c'est ça. Il va se prendre un coup dans la tronche, on va pas comprendre. Et retour à zéro. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Ah, et je me suis baigné dedans. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. Oh! Le scénario. Merci, le scénario. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Bah parce qu'il fallait peut-être explorer son propre château de temps en temps et pas laisser la moitié du truc à l'abandon. Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Ouais. Attention, PLS de la Switch dans 3, 2. Déjà, je veux pas dire, mais les textures là. Je pense que sur Paint, tu rends des trucs plus beaux. Je me casse! Abuse-toi bien, connasse! Oh, connasse, c'est amical. Pour examiner ça sur le chemin du retour. Mais! Oh non, on peut pas se barrer. Ça aurait été drôle le petit game over quand tu te barres. Ya! Oh, attends, faut que je me remette déjà dans les contrôles de Breath of the Wild. Oui. Oh merde! Pardon. Merde, oui. Commande. Ah non, c'était pas ce bouton là pour les commandes. Mais alors, pas du tout. Plus. Ah. Action, ranger, sauter. Oui, c'est vrai qu'on peut sauter dans celui-là. Pardon? Oui, c'est moi. Ton épée, elle brille. Ça m'appelle mon God Michel. Je fais genre, je suis Zelda, hein, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Réagis à quelque chose. J'en étais sûr, il y a une présence maléfique dans ces profondeurs. Ils ont laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Oui, alors d'ailleurs, un coup ça double, un coup ça double pas. Hein. J'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces fondations. Continuons, mais soyons prudents. Okay. Oh, je joue à Jedi Survivor, ça y est. Me suis trompé de jeu. Oh. Ce bloc de pierre. Oh, regarde, un caillou. Avant le vaisseau en mettant une lampe. Oh, ça doit être très vaisselé par là. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agit-il de la civilisation Sono? Alors, le truc que t'as jamais entendu parler dans le premier. Bien évidemment. Ah, les effets de lumière suivent la lame. Oui. Tu vas m'arrêter toutes les 2 secondes? C'est quand je joue, moi. Cette sculpture. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les sonos.
Je connais ceux avec le dé, mais c'est tout. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. Étonnant. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sent très peu à son sujet, elle demeure une énigme. Ok! Yeah! Ah, c'est le jeu qui me propose coup d'épée en bas. Ah oui, j'ai tout quoi. Tout ça pour ça? Oui? Non mais, hé, la japonaise à Paris, là. Des sonos, regarde la taille de leurs oreilles. Il n'y aura pas un truc avec le son, du coup? Ils ne ressemblent pas tout à fait, mais quoi? Des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore un peu plus profondément. Allons-y. Mais je t'attends. C'est ça, des sonos? Ah bah, voyons. Oh, mon dieu! Ah, des ennemis! Non! Ah, 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 ah. Oh, je les ai eus. Bonjour, Alfia. Comment va? Tout va bien, Link? Repère un serpent. Ah non, hein. S'il y a un serpent dans le jeu, t'as rien. Non, mais c'était trois chauves-souris. Des fresques, ici? Oui. Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. Oh, autant jadis! Afin qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Je lance les Pokéballs à Zelda. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représente... Link, il est... Oh putain, ça y est, elle est repartie. Ah, alors moi je vois 7 trucs, je sens les 7 trucs qu'il va falloir récupérer. C'est un Sonao. Ah, Sonao, pardon. Regarde, ce sont des Iliens comme nous. Oh bah, ça se voit. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. Avec Lina? Ah non, je crois qu'il s'appelle Link, mais après, je suis pas un expert. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. Oui, c'est Zelda avec Link. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques... Les sept gougouttes, là, je sens que ça va être les temples à faire. Que les Sonao. Et ça s'écrit Sono. Aux Iliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Là, c'est l'ennemi de la fin. Bah non, on joue Zelda. Le royaume. Celui avec les petites oreilles et les chapeaux verts. C'est Zelda, ça. C'est alors... qu'un homme maléfique fit son apparition. Il est pas censé la sauver. Un grand pouvoir. Bah attends, c'est le début du jeu. Au début, on est ensemble. Avec l'histoire que relate. J'ai toute ma vie, toute l'endurance. Ensuite, il y a l'avènement du roi démon. Ah mais tu vois ça avec des dessins, toi? Pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors... il n'y a qu'une seule conclusion possible. Bah oui, regarde, des moblins, des bokoblins. Et des Iliens. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Ah. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Tiens-moi la voilà. Lunette. C'est toi qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir. Regarde, j'ai une Switch portable. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est Link, sert à quelque chose. Enlève ces cailloux. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Oh non, mais il y a du miasme. Allons voir un peu plus loin. Non, n'y allez pas, il y a du miasme. On se rapproche du fond de mon boxer.
Comment on lance une bombe déjà? Alors pas comme ça. Link. Regarde, dès qu'il voit Zelda. Oh, le harcèlement de rue. Hashtag MeToo, Link. Honteux. Ouais, alors... Bon, pour l'instant... T'as plein de cœur. Oui, non, mais c'est le début, regarde. Regarde, non, pas ça. Regarde, j'ai même toute l'endurance possible imaginable. Alors, une connerie qui va nous faire retourner à zéro. Ok, il y a du miasme partout. Eh madame, mademoiselle, vous êtes charmante, vous avez un 06. Wow. Eh salope. Vas-y. Fais pas genre tu m'as pas entendu, salope. Madame, eh, votre 06, madame, eh, madame, eh, vas-y, fais pas ta pute. Vas-y, vous êtes charmante, vas-y. Ton 06, regarde. Regarde, je te joue du pipeau, moi. Mais regardez pas comme ça, madame, je suis beau gosse. God. Ah, j'ai pas encore accès à l'inventaire pour le foutre à poêle, Link. Bon, allez, Zelda, on avance, madame. Oh, wow. Serait-ce le truc qu'on a vu dans les 1000 cinématiques, dans les 1000 trucs qu'ils nous ont montré avant? Incroyable. Plus grande prudence et une mise. Oui. Oh, putain, on est passé en 480p là d'un coup. Wow. Qu'est-ce que c'est? Oui, je vais chier sur le graphisme par contre. Ce que j'ai coulé hier. Crouch. Ah bah voilà, au moment où on arrive. Oh, une dégougoute. Ah bon, c'est pas mortel. Attention, jeu d'horreur. What? C'est tellement pas Link. Enfin, c'est tellement pas Zelda. Ah! Au revoir Zelda! Ah non. Ah ouais, ah bah voilà! Laisse-moi en 3 au moins! Merci. Non, je me suis fait susouiller le bras! Enfin, le son du jeu qui s'énerve d'un coup pendant la cinématique. Ah bah super! Link. La fameuse lame purificatrice. Pardon? Il a changé Ganondorf. Zelda est le porteur de la lame purificatrice. Genre tu me connais. Bonjour. Présente-toi. Ultime espoir de Rauru. De Rauru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? J'ai mes règles. Oh merde, le château qu'on venait de reconstruire. I believe I can fly. C'est pas un plagiat du château dans le ciel, ça? Non, il descend ou il monte? Tu vas bien?
Regarde, je t'attrape avec mon bras maudit. Il ne va rien se passer de mal. 3, 2, 1. Ah non, raté. Eh non. Bon, d'accord. Magie, magie. Pardon. Pardon, pardon. Mon Dieu, il pleut des cailloux. S'abriter, pourquoi? Chose de pas à l'âme, voilà, oui, elle est devenue vénère, quoi. La chose. Voilà. Tout va bien. Ah, le ver solitaire, regardez. Comme ça qu'il s'immisce dans votre intestin. T'es bon, Sandy, peut-être. Oh! Oh merde! Il a une coupe mulet maintenant! Il est à la mode! Oh merde! J'ai fait une Michael Jackson inverse! Oh! Ma main me parle! Oh putain, heureusement que la mienne a fait pas ça. Bon, on dirait des trucs. Zelda m'a beaucoup parlé de toi. Mais t'es qui, toi? La blessure que tu as reçue a bien failli t'aider, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Merci. Je crois. Par contre, ils leur voient là en slip, hein. Et c'est pas ma faute. Après, les Link dans chaque jeu Zelda sont différents. Par contre, la coupe mulet... Ça fait la gueule, ton épée magique, hein. C'est le Link Trap. Oh non! Le Link inclusif. Épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château d'Hyrule. Je vais devoir me battre avec ça? Apparemment. Vas-y, frotte-toi la rouille dans le dos, tu vas voir. J'espère quand même... Oh putain. J'espère que le jeu est un peu plus... dirigiste que le premier. Ces vaccins, bah non. Mais je suis où là surtout? Il a surtout pas fait ses vaccins contre la rage, Link. Le mystère mystérieux du mystère, encore plus mystère que le mystère lui-même. Ah, c'était pas un truc de TP ça, ok. Bien. Comment on court déjà dans le jeu? Oula. Ah, j'ai cru qu'il voulait le lancer. Genre sa vieille épée, genre tiens. Pom 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 pom. Sauter. Il galère un peu dans l'eau. Youp. C'était X qui fait l'appui. Mais comment on sprint? Sauter. Oui.
Toi, il n'y a pas profond quand même. Hein. Fais gaffe, Link. Hein. Il y en a, ils se sont pétés les dents pour moins que ça. Hein. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Ah, c'est B pour courir. Ta-da-da-da. Vieille spartiate. Ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse, mais ont beaucoup de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. Tiens. Oh non, il y a un slip avec. Moi, je veux Link en slip. Enfin, il y a une jupe avec. Et... je suis déçu. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai streamé Breath of the Wild, j'ai fait Link en slip. Voilà. Ah! Ah bah oui, vas-y, saute! Non mais... Link le suicidaire, quoi. Oh, j'ai perdu Zelda! Adieu! Mec, il saute, il sait... trop près. Un peu trop près. Mec, il saute, il sait pas où. Oh, il y a un dragon. Le pixel. C'est pas trop dégueu. C'est moins dégueu que ce que je croyais. J'avoue. Sur 10, Link, bravo. Là, t'aurais été au JO. Tu l'avais, la médaille d'or. Hein. L'eau est moche. Oui, bon, hein. Putain, mais Link Néandertal, quoi. Ah, il s'élève du prélude. Dans Breath of the Wild, tu fais le plateau du prélude au début. Histoire liée. Champi céleste. Vas-y, prends-toi un petit champi au coin d'un arbre, mon petit Link. T'inquiète, tout va bien se passer. On peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci, oui. Putain. La branche d'arbre est plus puissante que l'épée de légende. Ouah ! Oh ! Non, lance pas, lance pas, lance pas, lance pas ! Annule, merci. Comment on tend votre cible? Ah, comme ça. Non! Ah, j'ai pété ma vieille branche d'arbre. Tu peux récupérer... Mais prends ton épée de merde, là! Arrête de siffler, putain. Le pouvoir de l'épée s'amenuise. Oui, bon... pff. Framerate semble pâquerette, il y a pire. Oh, une orbe d'énergie sono. Je vais appeler sono, pas sonao. Sono. Ou sonao, je sais plus comment elle a dit. Une pomme. T'as fait quoi ce soir en stream? Oh bah j'ai ramassé des pommes, des branches. T'as joué à quoi? À Zelda. T'es sûr? Je crois. J'arrive même plus à être sûr à 100%. Oh, un bâton. Le jeu. Après, le framerate... déjà, Breath of the Wild n'était pas en 30 FPS. Allume la sono. Allume la sono, ouais. Regardez, un dragon là-bas qui vole. C'est un des dragons de Breath of the Wild, hein. Que j'ai jamais fait, d'ailleurs. Zizi. Balai. Balai. Bonjour.
Je t'attendais. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ce... Pardon ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle, encore ? Il s'agit de la tablette Proua, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Il n'a pas de téton, Link. Notez-le bien. Attention ! Pour que ça passe sur toutes les chaînes et tout, ils lui ont pas mis de téton. Tablette Proua, cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Ah. Ok. Attends, en dessous... Putain, hey, ce serait la grosse baisse quand même. C'est... T'imagines que ça, en dessous, là, tout ça, c'est Hyrule dans Breath of the Wild 1. Et... enfin, Breath of the Wild 1. Là, dans Tears of the Kingdom, ce serait drôle qu'ils nous mettent juste ça. Voilà. C'est le nouveau jeu. Voilà, je te l'ai remise avant que la princesse Zelda me l'a demandé. T'attends à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. J'ai pas d'autres informations. Où sommes-nous ? Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Ah, s'il y a les sept temples, par contre, je vais être très content. Comme tu peux le constater, ça fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Les sept temples d'Ocarina of Time restent mes meilleurs donjons. Tout Zelda confondu. Bip. Ah oh, putain, ne pas courir avec le joystick en appuyant sur le joystick, c'est d'un perturbant par contre. Courir en appuyant sur B. Ya! Oh merde. Pardon? Quand est-ce que j'ai un parachute? Comme dans le 1. On va beaucoup entendre comme dans le 1. C'est ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas? Si tu vas par là-bas, méfie-toi. Les golems militaires ne te regarderont pas passer sans rien faire. Nos créateurs leur ont donné l'ordre de protéger cette terre à tout prix. Mieux vaut être prévenu que pris au dépourvu. Je ne voudrais pas faire montre d'une inquiétude excessive, mais si je peux me permettre un conseil, face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Merci. N'hésite pas à essayer de me cibler si tu veux t'entraîner. Mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Pardon! Oh, des pommes. Hop, et un bâton. Non mais... Merci. La sérendipité. Oh, on va faire se suicider. Allez, vas-y, Link. Finis-en. Oh. Heureusement qu'il y a de l'eau un peu partout, quand même, hein. Grenouille, 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 grenouille. J'ai attrapé croissant. Ça peut crever un œil. Alors déjà ça rend sourd quand tu joues trop avec. Tiens. On recommence. Tiens. Tiens. J'ai plus d'armes. C'était mon souci dans le 1, hein. Dans Breath of the Wild, hein. C'est que je me retrouvais très souvent sans aucune arme. Pourquoi? Parce que ce système d'avoir 50 000 armes sur soi et de régulièrement changer est cacasse. Ça a toujours été un truc qui m'a freiné. C'est chiant, système. Complètement. Non mais oui. Alors là je te rejoins, croissant. T'as toi, toi! Aïe! Allez, Link, la crevette! Debout! Mais pourquoi il m'attaque à deux? Hein, ta bouche, toi! Qu'est-ce qu'il fait? Arrête de menacer avec ton bâton, là!
Vous dansez avec le mien. Tiens. Long bâton. À se foutre dans le fion. Non mais Link, c'est devenu Néandertal en fait. Ils l'ont néandertalisé. Oh putain. Les framerates qui galèrent. Bonjour. Tu vas m'apprendre à cuisiner, toi? Bonjour. Je suppose que c'est la bonne odeur de grillé qui t'a attiré jusqu'ici. Griller un ingrédient près d'un feu permet de faire ressortir son arôme et sa saveur, mais aussi de le rendre plus nourrissant. Griller. Et regardez de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles, à nous autres golems, consiste à donner des explications aux visiteurs. N'aie donc aucune crainte, nous répondrons à toutes tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Enfin, griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de le déposer près d'un feu de camp. Personnellement, comme je ne mange pas, je ne comprends pas grand-chose au concept de goût. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller un ingrédient permet de le rendre plus nourrissant. Si tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer. Tu peux utiliser le feu de camp qui est là. Il y a des champipis, les champipis. Alors, attends. Là, non. Matériaux. Pomme. Prendre. Ajouter, ajouter. Retour au jeu. Poser. C'est bon? Ils sont grillés? Bien, c'est pas ce bouton. Mais ils ont pas grillé du tout. Attends, faut attendre? Ah. Ah oui. Ok. Tout est normal. Quoi? Attends. Et... Ça sert à quoi ça? Non? Tu peux pas savoir si tu le manges ou pas. Je galère un peu, hein. Oupsie. Ah. Après, la dernière fois que j'ai joué à Breath of the Wild, j'avais pas de manette pro, j'avais avec la manette avec les Joy-Con classiques. C'est par là qu'il faut aller. Pom 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 pom. J'ai jamais terminé. Je me mets à jouer alors que j'ai jamais terminé le premier. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ah non 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 non, c'est pas le moment. Oh mouton. Poc 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 poc. Oh tiens, donne-moi ça. Oui oui, mais il faut équiper un bouclier pour le lever. Et non. Ah, couché toi. Moi, j'avoue que c'est le jeu que j'ai pas terminé. J'ai fait les 4 bêtes, là. Et... j'ai jamais fait Ganon. En katana. On verra, mais alors... j'ai la main magique qui ouvre tout. Ou pas. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Ah, c'est toi qui me parles ? Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. Ouais, cette voix, elle est connue. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Rao. Tu es une chèvre ! Propriétaire du bras droit. Quoi ? Oh, la description du mec, quoi. Physique. À me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Un fantôme m'a greffé son bras. Un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, bien sûr. Oui,
Les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Est-ce que j'ai le choix? Ah, les sanctuaires! Tiens, ça me dit quelque chose, ça. C'est Breath of the Wild-esque pour l'instant. Hein. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, par hasard? Si je dois faire trois sanctuaires, c'est abusé. Toutes les quêtes sont consignées ici. Ok, à la recherche de Zelda. Okay. Ok. Je vais mourir! Ah non, ça va. C'est très lumineux, ouais. J'avoue que... Tu joues un peu comme ça, quand même. Hein. Alors, c'est pour cacher les détails. Si tu plisses les yeux, tu vois moins les détails. J'imagine la technique de Nintendo. Si on met de la lumière, les gens vont plisser les yeux, ils vont rien voir. Ils vont voir comme nous, les Japonais. Je suis pas sûr que j'aurais dû la tenter, celle-là. Hein. Bah j'avoue que Wind Waker paraît plus beau, en fait. Non, soyons pas médisants, croissant. Ah. C'était mieux avant. Oui, complètement. Le mieux, c'était The Wind Waker, je l'avoue. Mais alors, du fond du cœur. Et du coup, ce qu'ils ont fait avec Skyward Sword est joli aussi. Un peu différent, mais joli. Il y a du bien d'un jeu. Alien Isolation ? Ah bah non, j'ai jamais streamé. Rentre dans le caillou, Link. Vas-y. Si tu rentres dans le caillou, tout ira mieux. The Remnant, t'avais bien aimé. C'est l'écran de chargement, ça ? Oh bon, putain, la sécheresse d'un écran. C'est sec, hein. Ah, l'homme chèvre. C'était quoi, revoir dialogue en bas à droite? J'ai peur d'appuyer dessus, en fait. Ah d'accord, ok, ça te redit juste. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Ton bras ou le tien? À mon bras ou le tien, je sais plus moi. C'est censé être le mien maintenant ou c'est tu me l'as prêté, tu me le rendras ou... Enfin, je te le rendrai, je... Plouk. Si ça fait plouk, c'est affreux. Non. Parce que s'ils avaient gardé le plouk, le du plouk, eh ben ça aurait été affreux parce qu'ils auraient repris directement juste le... Ce pouvoir permet d'attraper un objet, de le déplacer à distance. C'est possible de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets. Ok. Si, ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois, il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite Emprise t'appartiendra. Le pouvoir de construction. Alors, je suis désolé. Mais c'est beaucoup trop Breath of the Wild-esque. Attention, je suis nul à ça. Bon, ça va. Oh, merci le jeu de me féliciter pour ça. Parce que c'était pas gagné, hein. Attends. Je sens qu'il faut... Oh putain de bordel de miaou. Ah ouais, bah non, mais là, non. Collé.
Ouais, alors c'est pas exactement ce que j'attendais. Mais bon, ça devrait le faire. Ça le fait. Oh, ça va être très compliqué s'il faut jouer avec la physique. Bravo, tu as réussi. Je m'attendais à ce qu'ils viennent se coller l'un contre l'autre, en fait, pas... Ah bah attends. Attends, viens là. Ah, le coup de pivoter avec les... Oh putain. Ça passe, là? Oh, j'encule la physique. Ça y est. Ah, là... Pardon, mais là... La physique, Newton, tout ça... Comment je lui pisse à l'arrêt? Mais alors... Ah, attends. Crochet, bois... Screen dans Discord, le bon... Ah ouais, non, mais là... Ah, attends, je... Oh, putain. Pivoter. Non, mais pivoter, ça, par contre, je suis désolé, mais... Cronk. Il y a une grosse boule là. Ah, parce que c'est le creux. D'accord. Tiens, voilà. Ah merde, j'ai tout collé ensemble. Pourquoi j'ai collé les deux boules avec le crochet au bout? C'est une bite. Venant de moi, c'est bizarre. Oh putain. Pivoter. Oh. Non, mais mon cerveau, par contre, il va jamais pouvoir process ça. Ah. C'est bon? Vite, grimpe dessus! Ça passe! Il y a quelqu'un derrière, je sais pas c'est qui. Ah! Bonjour! C'est Zelda, ça? Te félicitons, tu as atteint le cœur de cet édifice. On dirait Zelda quand même. Pourquoi on dirait Zelda? Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Ouh, elle a du boulot la lumière de ce sanctuaire pour me purifier. Hein. Je dis ça. Non, ça c'est dans ta main qu'il faut que tu la mettes. Voilà. Ah, si tu savais, gros. Cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Je vous en ai donné un cœur, à quoi? Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. J'espère qu'ils vont pas me dire ça à chaque coup, par contre. Au revoir. Transition. La fluidité pour savoir pourquoi t'es là, etc. Oh. Ah, mais c'est un homme chèvre avec des pieds dégueulasses. Il devrait avoir des sabots, ce monsieur. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite, ça t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer deux sanctuaires supplémentaires si tu vas ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur la sanctuaire que tu aperçois au loin, cela t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les alentours avec la longue vue de la tablette Proua. Comment tu connais la tablette Proua alors que t'es du passé? Oh putain, gyroscope, non. Bleh. Ok. Des zooms. C'est par où le reste? Oh putain de bordel de miaou. C'est pas que ça donne la gerbe, hein, mais... Ah là. Ah bah il va être facile à atteindre celui-là, tiens. Ah bah super. Merci le jeu.
Ah, mais j'ai emprise, maintenant je vais pouvoir m'amuser à faire des trains-trains. Oui. Aïe! Mais... Pardon? Il y avait le... Le jeu. Ne me fais pas le... N'est pas l'outrecuidance de me forcer à acheter des amiibo, voyons le jeu. Achète. Bah merde. Achète. Non mais complètement. Genre, regarde, si tu as un amiibo, ton aventure sera que plus facile. Tiens, dans ta gueule, j'ai perdu mon épée, mais j'en ai rien à battre. Couché, toi. Donne-moi ton arc. C'est qui l'arc? Il est tombé où l'arc? Il est là. Tout, 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 tout. Ah, voilà. Là, on rigole. Bon. Attends, il y avait un point là. Et l'autre, il est là-bas. Pour aller là-bas, il faut que je grimpe là. Oh putain de bordel de miaou. Te dépêche pas surtout. Oh putain, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, tu peux sauter comme ça, ok. Alors. Putain. R. Pivoter, non, pas comme ça, pas comme ça. Comment on pivote comme ça? Bah, le jeu! Bon, sinon, on va y aller simple. Bien. Non! Putain, faut juste appuyer un coup. Si ça passe, ça... Attends, pivoter. Allez, non, mais il faut le pousser maintenant. Si le truc il se barre sans moi, je pète un câble. Bon, il partira pas sans moi, c'est ça qui est bien. Allez, bordel! Allez, Dada! Si vous avez pas fait un système à la con de pivotation, là? De pivotage? Attends, pivoter. Mais pourquoi tu peux rotationner que sur deux angles? Ah bah voilà, comme ça. Tiens, hop, le premier va faire un tour. Ouais. Merde, j'ai collé un autre. Attendez, j'ai un machin, j'ai un gluon collé sur moi. Et comment on décolle? Ah, comme ça. Ah! Tiens, hop, les. Eh ben, Léon, ça va être laborieux pour pas grand chose, je sens, ce jeu. Attends, attends, attends. Oui. Regardez, même Link il s'éclate. Le Link genre. Le vent. Sur mes cheveux. Sur mes muscles saillants. Je suis un héros. Incompris. T'es un allié toi ou... Ah merde, t'es un allié. En même temps, vous avez tous la même couleur. Excuse-moi. Je suis Batman. Je suis le Batman Kerry. Regardez droit devant soi, me tire venir bien en face. Pardonne-moi, je dois couper du bois et j'étais tellement concentré sur ma tâche que je ne t'ai pas remarqué. Couper du bois? Non, lâche-moi. Non, je ne veux pas. Monsieur le fantôme, il y en a marre. Il fonctionne toujours. À l'origine, nous les avions conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien. Nous les apprécions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. Alors, en plusieurs milliers d'années,
il a coupé 4 troncs. Alors, je veux pas être médisant, mais niveau technologie, vous êtes pas ouf. Hein. C'est assez surprenant. Oui, ok. À vrai dire, ça m'attriste un peu de les voir travailler ainsi. Alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. Mais tu vois, il s'est arrêté tellement il... Oh, je fais une pause. Examiner. Qu'est-ce que c'est ? Orbe. Ah ben voilà. Aïe ! Bon. Cette caisse me paraît bien étrange. Est-ce que si je la mets en l'air et que je la lâche ? Ben non, la casse pas. Ça aurait pu, hein. Bon, j'ai vu qu'il y en avait un qui m'avait gentiment fabriqué un bateau. Non mais t'es sérieux que tu, au final, tu peux construire des trucs comme ça là ? Parce que certes, c'est très bien, mais... Pas se foutre de ma gueule non plus. Hein. Je me rappelle pas avoir acheté un Zelda pour ça. Oui ! Allez, vogue, bateau ! C'est un échec. L'humour n'était pas nécessaire. Oh bah putain. Bon, si des gens viennent te voir et que tu peux pas rigoler avec, alors là c'est ma foi bien triste. Bon, il va falloir faire un pont avec ça quoi. Si j'ai bien compris. Est-ce que genre tu peux faire un pont plus costaud en collant un deuxième morceau genre Oh putain. Ah. Bon, il va me faire du rondin par contre. Qui va me prêter sa rondelle ? Croissant ? Ok. Et donc là c'est... Oh putain. Attention, pivotation. Ah. Ça passe. Faut que je prenne mon bateau avec moi. Attendez. Oh putain. Le jeu. C'est bon, t'as ton bateau ? Ok, on y va. Et ça c'est quoi ça? Ah oui, des bouts de pont. Ainsi, pont, pont, pont. Oh putain. Tada. Oui. Tout ça pour aller là? Je crois. Le jeu est cryptique quand même, hein. Mmh. Oh putain. L'handicapé qui a des bouts de bois dans sa peau, genre... Benyam, de rien. Mais non, tu n'as pas rien, Link. Espèce de con. Empris sur mon oreiller. Eh ben va. Bon, qu'est-ce qu'il va me proposer maintenant? Construire un bateau. Mais attends, mais... Ah, mais c'est là-bas qu'il faut que j'aille, moi. Ah, mais c'est les mecs de tout à l'heure, mais version animale. Oh, des émus. Oh merde, 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 merde. J'avais oublié ça, l'histoire de... Des émus dans le jeu. Mais oui, meilleur animal du monde. L'animal le plus taré du monde. What the fuck did I just witness? Ah! «
Gousse enduro. Ben endure-moi ça, je te dis. Il est où mon point? Ah, il est là-bas. Voilà, les FPS. Ah, c'est pour ça qu'il fallait un bateau à la base. Est-ce qu'une gentille âme m'a fabriqué un bateau dans quoi? Oh putain. Couché toi? Non mais... Ah, il en reste. Il en manque un. Mais il y a l'ému qui danse là-bas. What? Oh. Oups. Je crois que j'ai one shot. Ils ont gardé tous les mêmes consommables. Hein. Mais ma vieille hyperrouillée, elle coupe même pas du bois, quoi. Bon. Ah. Est-ce que quelqu'un m'a laissé un bateau? Ah non, par contre, on m'a laissé là-bas apparemment de quoi fabriquer un bateau. Oh, des bloobs. On prend les mêmes ennemis, on recommence. Des chouchous, voilà, c'est ça. Aïe! Alors, mais s'il y a des chouchous tous les 2 mètres, j'ai rien contre les chouchous, hein. Grande hache caillouteuse. Ah mais il y a un mât et tout. Non mais là le jeu... Respecte-moi s'il te plaît. Ouais c'est Legoland. Il va falloir jouer à ça, le jeu. Link sur un bateau avec des spartiates, quand même. Il y a du roleplay. Il y a du roleplay. Par contre, si le vent ne change pas de côté, je suis dans la merde. Hein. Nique bien ta putain d'aronne. Nique bien. Je te croyais parti, petit homme. Nique bien ta putain d'aronne. Mais, désolé de te dire que ça aurait pu m'avoir, mais non. Chouchou! Oh merde, il m'a vu! Fuyons! Fuyons les pastèques! Je suis parti, je suis dans mon lit. Il est parti ou il est là? Je comprends plus rien, moi. Inissa Métis, Dipissa. Quand même, là, pour l'instant, je me dis que, globalement, c'est Breath of the Wild, mais avec un skin un peu différent. Partout à la fois. Tant que tu n'es pas dans ma tête, tout va bien. Haoru. Te voilà, donne-moi ta main droite, je te prie. Fais gaffe, je l'ai souillé plein de fois, ta main droite, mon gars.
Amalgame. Attention à ne pas en faire dans votre vie. Sinon, vous seriez extrême droite. Ce pouvoir permet de fixer un objet à l'arme ou au bouclier dont vous êtes équipé pour en obtenir une nouvelle version. L'assemblage peut être défait, mais l'objet fixé est perdu. Ce pouvoir, si, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Amalgame. Grâce à lui, tu pourras fusionner n'importe quel objet avec tes armes ou ton bouclier pour les rendre encore plus puissants. Tu vois cette épée en bas des escaliers, prends-la en main et tu pourras fusionner un objet avec elle. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite Amalgame t'appartiendra. Ça a l'air bien compliqué pour pas grand-chose là. Hein. Alors, Amalgamon. Sur Espadon rouillé. Quoi? Pardon? Ça va, Link? C'est pas trop lourd? Apparemment, tout va bien. Pas d'amalgame 500. C'est ça. Et comment je désamalgamise? Mais comment j'enlève l'amalgame? Merde! J'ai enlevé mon oignon. Brandez l'arc. Oh. Gardez l'arc brandé. Oh. S'il me veut avec l'arc. Ah oui, juste que tu fasses ponk. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Fruit de feu. Ah, faut amalgamer ton arc avec. Bon. Mais je vais amalgamer mon arc, moi. On va faire ça. Hein. Oui. Mais comment on désamalgamise? Alors parce que je me retrouve avec un gros caillou au bout de mon épée. C'est pas que... C'est pas que je veux pas, mais... Oui! Je t'ai vu là-haut. C'est pas la faute de Toys for Bob. Toys for Bob, c'est des gentils, c'est moi le méchant. Il y a quoi là-haut? Oh, parce que j'ai l'air con avec mon... Oh merde. Oh, pff, des animations comme quoi tu utilises une clé, c'est trop Zelda Wind Waker ça. Comment on désamalgamise? Ça me fait pas rire, moi. J'en ai marre d'avoir un gros caillou au bout de mon rocher. Un gros caillou au bout de mon épée. Pfff. Ah ouais. Ah ouais, tu veux te la jouer comme ça, toi? Balancer à la gueule! Oh merde, je l'ai cassé. Ah! Est-ce que je peux mettre un caillou au bout de ma hache en caillou? Ah. Amalgame a déjà été utilisé sur cet objet. Ah. Oh, j'ai un caillou au bout de mon... Ah, depuis la sacoche, on peut retirer... D'accord. Oh, merde. Pas du tout ça. Alors, pas du tout ça. Ça pourrait être la mort, là. Non, ça va. Mais j'ai un caillou au bout de mon bouclier. Censé m'aider, ça? Aïe. Oh. Oh. Ah. Je
Pardon, j'attache une opale au truc, mais je comprends plus rien, moi, dans ce jeu. Ça devient le bordel. Ça devient un bordel. Elle grimpe? Non. Non. Bonsoir, Pierrot. Comment va, Pierrot? Cerveau éteint. Cerveau cassé. Cerveau cassé, c'est la fessée. Oh, il me vouvoie, c'est gentil. Mais moi, ça va. Ah, ah mon cucu. C'est le cucu. Attends, comment je peux prendre ça? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Vous ne pouvez pas sortir cela ici. Semble obligé de... Non mais c'est compliqué, hein. Pour pas grand chose. Et non. Attends, la grosse le baillet. Rien compris. Je galère un peu pour l'instant. Bravo, tu as réussi ce sanctuaire. Attends, le cœur de cet effigie. Ah bah oui. S'il n'y a pas le caillou, rien ne marche. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Petit souillon que tu es. Il y a des jolis effets quand même pour un jeu moche. Pas moche. Dring. Attention, transition. Voici comment Link sort de cet endroit. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Oui, c'est pas moche. T'aurais pu sortir il y a 10 ans, quoi. Mais c'est pas moche. Après, effectivement, c'est pas le jeu le plus moche qui est sorti, mais c'est pas le jeu le plus rapide au niveau de... au niveau de la... au niveau des FPS. Comme là, c'est ça. C'est venu, car j'ai oublié de te donner quelque chose. Tiens, c'est pour toi. Oh, ton gun Michel, tu te le gardes? Merci. Batterie. Cet artefact que vous a remis un golem et qui est facile à transporter est conçu pour se fixer à la ceinture. Son baby bâton. Je viens de te donner une batterie. Tu auras besoin de pour te servir des artefacts Sonao. Sono, je vais continuer à dire Sono. Hein. Les outils que l'on utilise sur ces terres. Il n'y a pas ici, mais... Je te donne ça. Bon, ça sert à rien, mais... Merde, tout électrique. On va parler à un golem qui se trouve à l'autre bout de la grotte. Mais c'est pas de l'électricité du genre, c'est de la magie. Il va pouvoir t'apprendre à t'en servir. Pas bon usage de la batterie. Je vais la brancher dans le god de Zelda. Elle m'a dit qu'elle était un peu à plat en ce moment. Ah non, pas ça. En fait, j'ai envie de cibler avec... Ah, le compartiment des armes est plein. Ça, c'est con, ça. Déjà. Mon compartiment des armes est déjà plein. J'en ai déjà marre. Allez, la grande hache. Tiens, dans le dos. Regarde, la vitesse et le défi dans ces combats.
ton sac à dos. Attends. Gourdin. Comme si j'étais dans mon slip. Yeah. C'est drôle qu'il y a un chien qui débarque, tu ne sais pas d'où, et qui aille chercher le gourdin. Enfin, le bâton. Ah, oh, je me mélange dans mes mots ce soir, je galère. C'est comme sprinter dans tous les jeux, c'est appuyer sur le joystick. Bah là, non, c'est B. Oh, voilà, nom de Dieu, je me casse de là. C'est pas moi. Mais qui, quoi? Monsieur! Ah! Il va m'attaquer avec! Nouveau. Nouveau. Grotte du bord de l'étang. Il me poursuit toujours? Graine Lumos. Est-ce que ça fait de la lumière si tu la lances? Bien, ils m'ont vu! Attendez bien que je vous dégomme une. Elle griffu. Puissance d'attaque en amalgame. Ah oui. Attends. Hop. Tu veux dire que sur un gourdin, tu peux mettre un œil de chauve. Pardon? Qu'est-ce qu'il fait là? Oups. Je crois qu'on va pouvoir créer des trucs un peu bizarres, mais. On peut tout combiner. 10 ans il nous a fallu. Pardon? Couché toi? Pardon? Qu'est-ce que c'était que ça? Une... Un boulier. Une faible lueur bleutée émane de ce cristal misérable qu'on retrouve sur les Élusis qui vivent dans les grottes, qui en obtient un cherchant à en trouver davantage. C'est quoi le truc que j'ai vu partir C'était ça là? Rien compris. Tout ça pour ça. Ah, c'était bien ça qu'il fallait faire. Oh putain. Déjà, il commence à falloir coller des objets ensemble et tout. Je sens que ça va être compliqué comme jeu. Tiens, je reprends ma batte avec mon œil. Oh tiens, je te frappe avec ton l'œil de ton frère. Voilà. C'est logique. Graine Lumos géante. Un choc suffit à la faire germer et produire aussitôt une large lueur diffusant une vive lumière aux alentours. Ok. Vieille toge. Oh non, Melink. Respecte-toi. Une toge et des spartiates. On dirait un cosplay raté. Putain, faut que j'aille tout là-haut. Là. Ah. Apprenez-moi à faire un machin volant. Ils sont cassés. Normalement, c'est d'ici qu'on achemine les ressources sur l'autre rive, mais tout est à l'arrêt. Au moins, les artefacts sonaux sont intacts, c'est déjà là. C'est déjà ça. Finalement, jusqu'à l'existence des artefacts sonaux. Laisse-moi t'expliquer ce dont il s'agit, qu'elle sent une importance vitale par ici. Ce truc vert que tu vois là, on appelle ça un artefact. Celui-ci, c'est une turbine. Il suffit de la frapper pour qu'elle s'active et produise du vent. Donc, tu l'auras compris, les artefacts sonores sont extrêmement utiles. Nous savons de toute une variété d'artefacts dont on a besoin. Donc là, il faut une batterie. Ah bon? Ah, mais tu en as déjà une, c'est parfait. Les tétés. Il n'en a pas, Link. Expliquer comment elle fonctionne. Ce sera plus sûr. Les batteries contiennent de l'énergie requise pour faire fonctionner les artefacts. Elles se rechargent automatiquement quand tu n'utilises pas d'artefacts. Je te conseille tout de même de faire attention quand tu t'en sers pour éviter que la batterie se vide au cours d'usage. C'est vrai que ce serait con. Voilà, l'explication a pris du temps, mais ce qu'il nous faut à présent, c'est un radeau. Oui. Allez. Tiens,
L'autre, il m'a... L'autre, regarde comment il m'attend. Genre, vas-y, on va voir si t'as un cerveau entre tes... Le golem assistant fut le prototype. Après cela, d'autres golems suivirent à qui nous attribuâmes différents rôles. Le golem cuisinier, le golem charpentier, par exemple. Nous finîmes par avoir de nombreux golems. Nous étions leurs créateurs, mais leurs connaissances étaient plus étendues que les nôtres. Et au final, nous avons beaucoup appris à leur côté. Je te conseille vivement de leur parler. Ils auront certainement des choses à t'enseigner. J'ai du mal à causer. T'as vu? Tu peux mettre des amiibo. Voilà. Achète ma mère. Enfin, bien, utilise plutôt le matériel qui souffre sous la bière. Eh, hey, mais espèce de connard. Putain. Ils mettent des troncs d'arbres, genre. Non, 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 tu nous piques pas nos troncs d'arbres. Y a ton nom dessus? Comment j'alimente ça, moi? Ah. Arrête! Ma batterie! Il va avancer. Deux secondes, le temps que je comprenne ce qui se passe. Tada! Faut aller là-bas, quoi. Oh, ce système de rotation est d'une perturbance. Allez, go! 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 Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Gros, c'est la puissance. Même Link qui regarde le moteur, genre, tu te fous de ma gueule. Tout ça pour ça. Je me fais chier à construire un truc qui ressemble à ça. Oh, le Titanic, ouais. Comment ça, le compartiment des armes est plein, regarde. Tu vois ce bâton? Ya! Ah bah moi, je vois plus. Ah ah! Non mais par contre, monter tout là-haut, ça va. Par contre, c'est drôle que ce soit devenu un jeu de construction et puis un jeu d'exploration. Sauf un petit délire, genre, allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme nouveauté par rapport à Breath of the Wild? Et si on construisait des trucs inutiles, un peu chelous, qu'on alimenterait avec des batteries, qu'on peut tourner mais qu'on galère parce qu'on peut tourner que dans deux sens, dans deux axes et pas trois. Et si on mettait tout ce qu'on peut au bout des armes pour les rendre plus fortes? Shigeru, mon petit Shigeru Miyamoto, tu es un génie. Merci. Attendez, j'ai pas amalgamé avec tout. Je peux m'agamer avec ça? Oh, avec un cristal. Ah ah! Je vous dégo... Ah! Eh oh! M'attaque pas avec un tonneau, là! Oh! Oh merde! Ça brûle! Nana! Nana, nana, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Bon, il y a 3 ennemis, la console est en PLS, hein. C'est... tout va bien se passer. Avec un peu de concentration. Si tu fais pas gaffe, les FPS, tu les vois pas. Pardon. Link a retrouvé son gland grillé. A joué avec le feu, petit Link s'est fait avoir. Votre épée de rubis. Qu'un nom comme ça n'empêche.
Ah, une pomme grillée maintenant. Ah merde, mon gourdin. Range-moi ça. J'ai failli me faire griller le gourdin. Switch 2 avec la sortie Zelda. Oui, c'est ça. Tu la sens la douille arriver. Tu la sens toi aussi, Pierre. Clonk. Putain, c'est d'un pratique leur truc. Le fait de pouvoir tourner que dans deux sens et pas dans trois. Allez, viens, on va faire un petit tour. Est-ce que je peux choper les graines? Non. Oh, si. Oh. Aïe. Attends, me vide pas la batterie, toi. Ah, ça se casse pas. Il n'y a plus de rails après tout ça. Bonjour. Cette grotte est particulièrement sombre, mais tu auras besoin de lumière pour aller plus loin, pour aller dans la mine un peu plus loin. Est-ce que tu as des graines lumineuses? Oui, j'en ai. Parce que sans lumière, je t'assure que tu n'y verras goutte. Les fleurs lumineuses sont endémiques des grottes comme celle-ci. D'ailleurs, on trouvait des graines ici avant. Mais la demande était si forte dans cette grotte obscure que mes collègues les ont presque toutes cueillies. Je suis donc là pour rappeler aux visiteurs de ne pas oublier leurs graines lumineuses. Si tu veux explorer cette grotte, éclaire-toi et avance prudemment. Prudemment? Même pas peur. Sonium. Bien sûr. Et j'ai fait la grotte après Azuria sans flash quand j'étais gamin. Donc, c'est pour une petite grotte dans The Tears of the Kingdom là, qui va me faire peur. Gars, tout va bien. Pardonne-moi mon impolitesse, j'étais concentré sur mon travail. Je raffine du sodium. Du sodium? Oh, tu ne sais pas ce que c'est. Ceci est le sodium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Alors que tu es dans les airs. Bon, bref, on passe. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sodium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Pour raffiner le sodium, il faut le faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Et puisqu'on en parle, les matériaux ici du processus de raffinage seront bientôt prêts, si tu veux bien attendre. Merci de ta patience. Pour tirer, faire une lampe. Mais c'est gentil, ça, de me dire ça. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sodium. Là, ce sont des orbes d'énergie sono. Ils fournissent leur puissance aux objets sono. Nous avons aussi des cristaux d'énergie sono qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. En résumé, raffiner du sodium, c'est le transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. Lâche-moi. Allez, je vais tout piquer. C'est à moi. Ah merde, faut les acheter. Oh, ta gueule. Tiens, je te pique ton sodium. Merde. Tiens. Et ça. Tu l'as vu, ton sodium? Regardez, l'œil de chauve-souris change tout. Bien, grimpe pas dessus, espèce de con. Bon, ma batte avec mon œil de chauve-souris, c'est peut-être pas la meilleure. C'est peut-être pas l'arme la plus forte du monde. Ah, d'accord.
Augmente la capacité de la batterie, mais oui. Comment on fait ça? Batterie, fusionne. Fusion. Oui bon, c'est bon, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Prendre. Mais oui, c'est à moi. Ne les prends pas, s'il te plaît. Des capsules sono. Capsules sono, c'est très pratique. C'est une capsule renfermant des artefacts sono portables. Je vais bien t'en donner quelques-unes. Ah. Ah oui, d'accord. C'est l'histoire de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Ouh, je sens qu'on va aller souvent dans les menus dans le jeu, par contre. Regarde, tu veux savoir s'il y a des objets? Tu prends en prise. Oh, regarde, je suis dans un objet. C'est quand même un sacré coup de bol. Ouais, allons-y, let's go. C'est parti, mes amis. J'espère qu'on arrive à la fin. Parce que j'en ai ras le cul. Les roues, elles tournent pas. Je suis désolé, hein. Mais les roues tournent pas. Je sais pas, ça me paraît être la base quand tu montes dans un petit véhicule comme ça que les roues, elles tournent. Tout dure 80 heures. Ouais, bah ça fait une heure et demie que j'y suis, voilà. Le générateur fonctionne à merveille. L'objectif du jour en capsule sono devrait être atteint. Je peux t'en piquer. Allez. Bon, dis-moi comment ça fonctionne plutôt que... Hein. Les capsules, oui, on peut les alimenter avec des matériaux tels que les cornes de golem ou les orbes d'énergie sono. Tu places des ingrédients dans un récipient de cuisson. Premier matériau. D'accord. Ok. Alors. Genre cornes de golem. On va faire sélectionner, prendre. 1, 2, 3, 4, 5. Retour au jeu. Et déposer. J'ai cru qu'il allait m'en mettre qu'une, j'ai dit oh. Lance-flamme. Bah oui, oui, vas-y. Marmite de voyage. Je veux rejoindre mon ami. Oh non, les v'là, les korogous. Tu peux me voir? Je suis un korogou, il ne fait des bois. Mon ami et moi, on parcourt le monde. Enfin, on le parcourait, je l'ai perdu. Non. Il m'attend en faisant des signes au-dessus, il faudrait que je le rattrape sans tarder. Je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Ok. Alors. J'ai des planches. J'ai pas de roues. Attends, je suis arrivé avec un chariot, moi, ici. Je peux récupérer le chariot avec lequel je suis arrivé. Je suis arrivé où, moi? Je suis pas arrivé si loin que ça, si. Voilà. Et où le truc que je cherche, là, depuis tard, sur lequel je vais? Attends. Oh, putain, c'est tout là-haut, encore. What the fuck? Cloche du temple du temps sonne à des heures précises pour signaler le début, le matin et du soir. Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou se coucher. Nous en servions aussi au cours de certaines épreuves solennelles. Ok. Allez chercher le korogou, hein. Ah mais attends, je peux ramasser le korogou, là.
Allez, on y va. Attends, pars pas. Voilà. Il y avait un truc que je disais, c'est qu'il n'y avait pas de moteur. C'est pas faux. T'as amené mon ami, trop super. J'ai pas grand chose à donner. Ah bah si, tiens. Oh bah des noix Kourougou, bah oui. Il y en a encore 999 dans celui-là ou... Salut. Salut. Oh, du sonium, super. Oh, une flèche, super. Et mis à part des flèches, là-dedans, il y a quoi? On va faire plaisir à Pierre, on va prendre celui avec le moteur. Je coince. Alors là, par contre, ça va être compliqué. Si j'essaie d'y aller, je meurs. On est d'accord. C'est bon, manque un bout, quoi. Léger. Petit bout. Allez, on essaye. Que je suis un précurseur dans le milieu. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Voilà. Et non. Ah bah ça m'amène ici. Ok, ça voulait dire que c'était pas du tout par là-bas. Bon. Comment je monte, moi? Oui, donc, je sais. Il est l'heure. Oui, il y a une grosse tour pas belle là-bas. Ah! Alors ça, c'était pas prévu, mais alors pas du tout. Pardon? Ah! J'étais censé le prévoir, ça? Ah, mais genre, il était tombé, le morceau! Oh, putain. Ok, quoi? T'as pas vu le crochet, non. Wow. Attends, j'ai plus d'arc ou... Non. Ok. Wouah! Ça fait très boss de Zelda par contre. Ah merde, j'ai mis une graine. Oups. Voilà, il en a rien eu à battre. Tiens, un cristal de sel. Oh. Ah, c'est du one shot, ok. Le jeu est... T'es venu là? Qu'est-ce que t'es venu faire là? Je vais
fais une petite pause, je vais faire pipi. J'arrive dans 5 minutes. We'll be right back.
Allez. Go. Bon. On va peut-être pas aller le battre, ce boss. Parce qu'apparemment, si tu te fais toucher, you die. Bon, d'après Pierre, il y avait un crochet qu'il faut embarquer jusqu'à là-bas pour monter. Bah non, là où ça monte juste là, ça monte pas là où je veux aller en fait. Donc non. Je suis toujours avec mon gourdin, avec mon œil de chauve-souris au bout. Hein. Tout est normal dans le jeu. Un pima. C'est un pimante. Tu reconnais les pimas. Oh, un cuisinier. Ah non, un chasseur. Il fait extrêmement froid dans cette montagne enneigée qui nous surplombe. Tu vas très vite perdre l'énergie, tu pourrais bien en mourir. Tu peux préciser. Préparations insuffisantes peuvent s'avérer fatales dans des climats rudes. J'ai quelques conseils. Des plats qui réchauffent le corps. Ok. Alors, attention, moi et la cuisine. Si je prends deux gousses, deux piments. Attends, non. On va prendre deux champignons et trois piments. Est-ce que ça fait des champignons au piment? Oui! Assiette, fruits et champi. Sauf que ça réchauffe pas. Ah! Et si je mets des fruits de feu? Trois fruits de feu avec deux piments. Que les piments? Un chutney free. Attends, que des piments? Mais c'est débile. Je peux pas faire une soupe de piments. Si? Je me rappelle pas du 1. En fait, le 1, j'ai... Merde, y a plus de piments. Monsieur le robot, vous avez des piments? Bon, on va mettre 4 piments. Mais les fous pas par terre, espèce de con. T'as beaucoup plus joué au 1 que moi, je crois. Hein. Piment sauté pic-pic. Lumos. Allez, allons-y. On va pouvoir se faire une petite fricassée de piment. Yeah, c'est penultimo. Elle va manger les piments. Tiens, regarde, je te tape avec ta cousine. Tu la reconnais? Allez, ton œil. Allez, me casse les piments. Là. Allez, grimpe. Il fait froid. Miam, miam, miam. Oh, j'ai chaud. Oh là là. Oh, il y avait un faisan. Durée de vie des armes bien meilleure. A voir. Je suis pas pour l'instant un expert. En fait, le truc, c'est que dans le 1, je galérais. Parce que le système de jeu, de devoir péter les armes et tout, les golems subalternes et golems supérieurs protègent fidèlement les jardins du temps. Je suis vraiment désolé qu'ils t'attaquent ainsi. C'était malheureusement le seul moyen que nous avions pour protéger nos terres contre les envahisseurs. Ok. Putain, faut que j'aille tout là-haut. Et j'ai que 10 minutes. Regarde, ils m'ont pas vu. Je suis discret. Bon, dépêche-toi par contre. Putain, comment je vais là-haut, moi? Oh putain, des chuchus! Aïe. Ouais, là j'ai les chuchus blanches. Oh putain, cette course avec B et pas course avec appui sur le joystick, c'est... Mais... Tiens. Raconte. Je galère un peu. Tada. Ok.
Regarde-le là-bas, là. Est-ce que je peux attaquer d'ici? Ma flèche, elle va même pas jusqu'à la plateforme. Oh merde. J'ai cru être intelligent. Mais non. Le jeu, il a dit. Non, 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 non. Oh, des bombas. Tu sens que les graines Lumos, il va t'en foutre partout. Non mais, tu peux pas... Non, tu peux pas. Le gourdin chauve-souris, quand même. Meilleure arme du monde. Hein. Faut s'habituer au système hein, quand même. Ya! Yeah. Tout ça pour un silex de merde quoi. Range-moi ton bâton. Range-moi ton bâton. Faut s'habituer au système d'amalgame et tout. Je sens que les speedrunners, ils vont s'éclater avec ce genre de... Tiens! Oh merde! Sors-moi ta grosse boule là! Oh! Oh, oh ce bruit de fessé! Mais oui, mais excuse-moi! Si elle me pète dans la gueule, je pète un câble. Allez, sors-moi ta boule, là! Fais pas le timide! Allez, deux. Bon, ça va, il me remet là déjà. C'est gentil, le jeu, il a eu pitié, il s'est dit oh. Ah, mais il y avait une grenouille chelou là encore. Reviens. Je t'attache un oignon là-dessus, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, il y a un coffre là. Pourquoi je le sens pas? Parce que mettre des coffres sur des morceaux comme ça. Putain, ne pas tomber, c'est bon. Mais j'ai pas le réflexe d'attacher des objets à mes flèches. Je vais me détacher des objets à mes armes. Je reste loin ce coup-ci. Ah oh, mais ce bruit de fessé par contre. C'est pas possible le jeu. Un gastrolite de Liclic. À tes souhaits. Cette étrange pierre provient d'un liclic composé de fluides biologiques cristallisés. On lui apprête d'excellentes vertus pour la préparation de remèdes. Debout, toi, là-dedans! Ah oui, mais c'est le début du jeu, je vais m'habituer. C'est juste que pour l'instant, c'est pas... Mais alors, pas du tout un réflexe. J'espère qu'il y a plus, plus d'histoire que dans, dans le jeu précédent. Le jeu précédent... Le truc que j'ai pas aimé dans Breath of the Wild, c'est que on te balance. Oh putain, là encore un machin comme ça. Vas-y, tu es ouvert, toi.
Putain, mais ce bruit de fessé! S'il me touche, je suis mort. S'il me touche, je suis mort. J'ai plus de flèches. Donc. Bouclier flamboyant. Ouais, forcément, j'ai une arme à deux mains. What? C'est de faire ce que tu veux. En fait, c'est pas, c'est le côté, il me faudrait. C'est le côté, genre, très peu d'histoire. Hein, dans... Va aux bêtes, enfin, va au truc sacré, là, aux quatre bêtes. Et puis, t'as un petit peu d'histoire à ces endroits-là, et encore. Hein, et puis, voilà. Bon, j'ai un bouclier lance-flamme, maintenant. Si j'ai froid, du coup. Je sais comment me réchauffer. Attends. Près du feu, la jauge de température ne monte pas. Hein. C'est le côté trop peu... Enfin, selon moi... qui ne suis pas une référence, hein, loin de là, mais ils ont été trop peu dirigistes dans Breath of the Wild. Attends, je peux descendre là? Attends, si je descends, est-ce que ça remonte? Je pense. Hein. Si je descends et que je peux pas monter, je vais être salé. Ah bah, je peux redescendre, ok. Très bien. C'est le côté, genre, bah, voilà. Fais ce que tu veux. C'était cool, mais honnêtement, c'était pas mon style de Zelda. Moi, j'aime bien le Zelda où t'as des vrais donjons, déjà. Rien que s'ils ont mis des vrais donjons, ok, pas de souci. S'ils ont laissé des pseudo-donjons... Comment ça, il va bientôt se briser ? Gourdin. Dans ta gueule. Mais je brûle. J'ai le gourdin qui brûle. Après, d'après ce que j'ai vu dans la cinématique, il y a les 7 gouttes. Enfin, dans la cinématique, dans le truc qui te montre au début, là, les fresques. T'as 7 gouttes. Je me dis, s'il y a 7 gouttes, il y a 7 donjons. 7 vrais donjons. Attends, comment je monte là-haut, moi? Pardon. J'espère. Oui, c'est ça. Moi, c'est des vrais donjons qui me manquent. Je m'en vais où là? Je m'en vais pas du tout là où il faut. Je m'en vais vers la sortie là. Oh ouais, des champignons. Va vers là. Oh non, je vais aller à l'autre bout de la carte. Tiens. Ah bah oui, ça, là c'est là où j'ai. Non, c'est pas là où j'étais tout à l'heure. Où c'est que je m'en vais, moi, encore? Mais le fait qu'il, ouais, il marque qu'il y a les 7 gouttes de lumière, machin, qui emprisonnait Ganon, enfin, le mal, là, on sait même pas si c'est Ganon. J'ai un petit espoir. J'ai l'espoir qui me dit 7 donjons. 7 donjons, j'aimerais bien qu'il fasse comme dans Ocarina of Time avec le donjon de la forêt, enfin forêt des plantes, le donjon du feu, le donjon de l'eau, le donjon de l'ombre, etc. Ça, j'avais beaucoup, trop, probablement, beaucoup aimé ce principe. C'est une blague! Attends, je peux pas remonter en plus? Putain, je peux pas remonter. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je me suis perdu. Oh, une marmite. Vite. Grillons des piments. Oh, il fait une petite chanson derrière, genre.
Ok. Et comment je monte, moi? C'est une vraie question? Faut descendre pour pouvoir remonter? Il y a une grotte, genre à gauche, là? J'ose espérer. Oser José, j'ai envie de dire. Ah bah, il y a pas de grotte, non. Pas trop, non. Puis j'ai l'endurance d'un caillou asthmatique pour l'instant, moi. Je sais pas où je vais. On n'avait plus de flèches. Ah. Je suis perdu. C'est officiel. Là où il y avait un tuyau, il y avait un crochet. Ah non, en fait, ça amenait juste à un petit endroit où il y avait une... Ça menait juste à un endroit en fait tout simple, j'allais dire, non pas tout simple, mais un endroit en fait où il y avait un coffre, c'est tout. Trois ennemis, un coffre. Genre ça là-haut là. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut encore... tu sais, glisser sur... Je sais même plus c'est quoi la technique pour... Pour glisser sur un... Un buclier. Putain, mais je suis complètement paumé. Ah, antifroid finit bientôt. On va remanger un plat de piment. Miam, miam. Putain, il va avoir le cul en feu, Link. Ah, j'ai cru que la sonnerie, c'était le plat de piment qui me dit « Attention, j'ai bientôt fini !» Pas du tout. Avec un pouvoir. Mais oui, mais le sanctuaire, il est là-haut, en fait. Il est en haut. C'est ça le problème. C'est pour ça que je veux monter. C'est que le sanctuaire est en haut. Il doit y avoir moyen, avec l'endurance que j'ai, de grimper sur les murs. Hein. Je vais essayer. C'est ça que je cherche. C'est le sanctuaire pour probablement avoir un pouvoir pour ce genre de choses. Ah, mais attends, je peux regrimper. Bah non, là, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'aime bien les couloirs, moi. Là, j'avoue, je suis pas du tout dans un couloir. L'anti-couloir, le contraire du couloir. Pour une grotte, genre derrière cette cascade. Ah. Ok. On peut grimper là-dessus. J'aurais peut-être pas dû descendre en fait. Et si je vais dans l'eau, il va me dire ah, glagla. Voilà, froid insupportable. Non, mais je dois être 2B en fait. Me serais-je pas baisé tout seul en descendant? Bon. Attends, il y a une zone. Oh, il y a une zone. Oh ouais, il y a une zone avec pas de... Ok. On va pouvoir grimper. J'espère. Il y a une zone avec pas d'eau. Et un repos au milieu. Donc, est-ce qu'ils auraient pas fait ça pour les petits malins comme moi? Là. Oh, je vais jamais avoir assez d'endu. Peut-être le faire, mais chaud. Hein. Ça le fait. Bon, c'était peut-être là qu'il voulait que j'aille. Bon, là ça va, je peux hop, faire. Pas trop. Oh, le sanctuaire, il est pas loin. Enfin!
Ah, j'arrive au sanctuaire. C'était... Alors, je sais pas si c'était comme ça que le jeu voulait vraiment que je fasse, mais j'ai fait comme ça. Putain. Link, le caillou asthmatique. Bah, ok. Comment il... Attends, c'était vraiment le chemin que le jeu il voulait... Ça a l'air de ressembler au seul... Il fallait réussir à monter là-haut et à sauter là. Il doit y avoir une grotte quelque part où tu pouvais monter et atterrir là en fait. Je pense que je me suis fait chier pour rien. Gutan Bati. Ah, c'est là. Oh. Allez, passe. C'est 50 fois la même, donc. Quel pouvoir va-t-il me donner ? Le seul truc qui est bien avec le format cartouche, faut l'avouer, c'est que les temps de chargement sont pas extrêmement longs. Te voilà, donne-moi ta main droite, je te prie. Ma main noire. Je vais remonter un peu le son du jeu parce qu'il me paraît un peu bas. Des pouvoirs magiques phénoménaux. Infiltration permet de sauter à la verticale, de traverser la matière solide au-dessus de vous et d'apparaître de l'autre côté. Quoi ? Ce pouvoir ici, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme infiltration. Grâce à lui, tu pourras prendre de l'altitude en traversant les parois juste au-dessus de ta tête. Logique. Crois-moi, il te sera bien utile au cours de tes aventures. Faisant l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite l'infiltration t'appartiendra. Non mais là... Ils se sont dit, vite ! Il faut absolument qu'on ait des nouveaux pouvoirs. Aïe. Quoi ? Mais ça veut rien dire ce pouvoir. Ça veut rien dire. Du même c'est que moi il sort genre tada. Merde, il y a un coffre en dessous, je m'en doutais. Appelez. H caillouteuse. Ok. Et ouais, ils se sont dit, il faut absolument des nouveaux pouvoirs. Ce qu'on a mis, c'est trop bateau. Ouais, me lance pas des trucs, toi. Ah, tu vas te la jouer flèche? Tiens. Je m'en doutais. Oh putain, si tu veux récupérer le coffre... est-ce que genre... Ah merde, il est accroché ce con. Bon bah non. Je m'étais dit pour aller chercher le coffre là. Ah... Attention. Tada! Un arc de plus, ouais. Et quand j'ai jamais de flèches, t'es nul. Et du coup, là, je peux infiltrer là. Il s'est passé quoi? J'ai rien compris. Ça a glitché ou... Oh putain, là, faut viser au bon moment. Bouge petit. Ah! Oh putain.
putain, la caméra, elle aime pas du tout ce pouvoir, hein. La caméra, elle aime pas. On a peut-être été un peu trop ambitieux avec ce machin-là. Nous te félicitons, oui, allez, passons. Ta-da-da-da. Ouais, tu sens qu'ils ont pas prévu... Allez, passons. Retourne au temple du temps. Quel est l'autre bout de la carte, regarde, c'est le truc qui est tout au nord, là. Pour trouver Zelda. Ah, un fantôme. Complètement con, lui. Je vois que ton nouveau bras droit a retrouvé certains de ses pouvoirs. La porte du temple du temps ne devrait plus te résister désormais. Ok. Salut. Au revoir. Alors là, du coup, je peux monter dans l'arbre. Ce qui paraît logique. Ils ont dû se galérer à faire un système comme ça. Ah, je me dis, c'est quoi cette grosse boule? Mais oui. Ils ont dû se galérer à faire un système quand même pour... Ah, bah c'est maintenant que je trouve les habits pour résister au froid, moi. Super. Merci. Oh, je vais pouvoir construire un planeur. Yes! Enfin. Putain, mais réfléchir, se dire... Alors, attends, s'il y a un truc au-dessus de moi, ça veut dire que je peux utiliser le pouvoir. Regarde la caméra, comme elle aime pas. Enfin, c'est pas la caméra, c'est le jeu, il cherche, en fait. Il charge où t'es. J'ai terminé pour aujourd'hui. Hein? Voilà qui est rarissime. Peu sont ceux qui arrivent jusqu'ici. Tu as sûrement besoin d'un artefact sono pour descendre la montagne. Si tu veux te servir du générateur. Je fabrique des capsules sono. Tu vois, cette ouverture en forme de récipient de cuisson. Jette-y des matériaux. Ouais, ok. Ouais. Oui, ok. Ça, oui, je sais. J'ai déjà fait. Donc. Hop là! Bingo! Ouais! Marmite de voyage. Planeur. Voilà. Ça va. Ils sont gentils. Ils t'ont mis un planeur pour pouvoir retourner. Ah bah attends. Il va y avoir une connerie si je vais là-haut. Bon, allez. Malgré ça. Du coup, tu peux le mettre là. Ça, tu fais. Fou, mais ça passe. Ah, merde, quel con, j'appuie sur B. D'accord, si t'appuies sur B, tu redescends. C'est pas con, parce que si tu te retrouves face à des ennemis, genre, ah, oh, putain, merde, il y a 53 ennemis. Eh ben, tu peux te barrer. Il y a même pas de méchant ici. C'était juste histoire de dire... Oui, ça fait peur. Planeur x 3. Ok. Faut que je retourne là-bas. Au truc qui s'appelle le temple du temps, qui ne ressemble pas du tout à un temple du temps. Alors, tu le sens le fait que je vais me rater là? Non, ça va. Ah, un chuchu. Bon. J'en fais quoi de ça? Je vais être très gentil, mais j'en fais quoi de ce machin là? Dis-moi, toi. C'est grâce à eux qu'on a pu nous établir en tant que civilisation avancée. C'est grâce à eux que nous avons ainsi pu prospérer. Si tu peux maîtriser la technologie, je suis certain qu'ils te seront d'une aide précieuse. Oui. Mais. Alors, je peux mettre mes pieds là-dessus. Non.
je peux amalgamer avec, avec un bouclier. Mais sur la piste de décollage, moteur égo. J'ai l'impression que tu peux amalgamer, genre. Attention, vol d'essai numéro 1. Et non. Oh mes chevilles. Oups. Alors apparemment il ne sait pas mettre son bouclier comme ça. Genre... C'est pas ça qu'il faut faire. Après, je l'avoue, je m'en doutais un petit peu que c'était pas ce qu'il fallait. Non, putain. Chapeau chaude. Je saute au hasard, c'était pas dangereux, mais du tout. Alors. C'est ça, moi j'ai pensé au parachute dans le 1. Hein. Bon. Donc tu me dis, faut que j'en mette un, genre, sur la piste d'atterrissage, là, enfin de départ. Bien droit. Que je lui accroche un moteur au fion. Putain. Pourquoi j'ai un sentiment que... Un sentiment que je vais crever. Il y en avait un de bien mis derrière moi. Non mais je suis con, moi. Bon, tant pis. Bon bah, hein. Bon, c'est un échec. Attends, t'en as un de bien mis derrière toi. Ah oui, tu parlais de la position. Ah, sur les rails. Ah, c'est logique. Ah oui, il a l'air d'être prêt à partir, là. Bon bah, hein. Allez, éjectez, j'ai envie de dire. Toujours pas. Vol test numéro 2, échec. Ah mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lâche-moi ça. Attends toi. Attends. Ah, alors il y a de l'idée. Par contre, faut qu'il s'arrête. Ah, c'est le moteur qu'il a. Ah, mais en fait, faut pas mettre de moteur. Je pense. Faut planer, faut le laisser planer en fait. Le moteur, il l'empêche de passer. Oh putain. Accroche-toi, Link, hein. Ah, et tu diriges comme ça. Oh non, non, non. Ah non, non, non. Ah, quelle horreur. Oh putain, d'accord. Alors, c'est pas con. Mais alors, c'est affreux, hein. C'est pas ergonomique. Là, à gauche. Plonge. Bon bah, hein. On atterrit, hein. Oh putain. Tout va bien. Faut pas de moteur, en fait. C'est logique, c'est un planeur. Un planeur, ça n'a pas de moteur, de base.
Alors, se déplacer dessus pour le... Alors, c'est sympa, hein, mais ça va être... Oh, une goutte! Bah, la goutte du temple du temps, du coup. Link est dubitatif devant le truc, genre. Non, mais Link, t'as déjà dit arrête de toucher à tout. Oh, je balèque. Je m'en balèque, les gars. Tu t'es changé, Zelda, depuis le temps. T'es devenu muette? C'est pas plus mal, hein. Ah, c'est pas une cinématique qu'on voit, ça? Un truc qu'on voyait dans les trailers? Tiens, Redjoy. Tu m'as fait. Fermer la porte. Hein? Le chat. Ah. Alors, Joy est rentré, mais il n'y avait pas que Joy qui est rentré, apparemment. Il y a des... D'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. Rien que ça. Voilà, tu as presque débloqué tous les pouvoirs. Rétrospective, le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Ce qui est logique dans le temple du temps, du coup. Et Zelda a disparu sans laisser de traces. J'ignore ce que tout ça signifie, mais je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Si tu as reçu ce pouvoir, il y a forcément une raison. Utilise-le sur ces gros moulins, là. Oui, non, mais c'est clair que c'est ça qu'il faut les utiliser sur le gros moulin. Combien ? T'as vu le choix ? Ah ! Espèce de con ! Il s'accroche pas. Oh, le bruit, par contre. Ah, les bruits sont affreux par contre. Oh non, la déesse Ilia, l'arvla, elle. La statue vous sourit avec bienveillance. Pas creepy du tout. C'est tout ? Mais t'es pas censé m'augmenter ma vie ou... Avec les gouttes qui tombent. Ah. Là pour mettre ta vitalité à l'épreuve. Tu es faible. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Il reste un sanctuaire sur cette île, tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. Oh putain. Ah. Si tu es régné et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette Prua. Grenade.
Elle possède une fonction de téléportation. Ah, tu vois ce symbole bleu sur ta carte, tu peux te rendre sur place à tout moment. Sers-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Ah! Merci. Non, c'est pas là. C'est bon là. C'est où la carte? Là. Carte. D'accord, donc tu peux te TP ici pour aller là. Ok. Chambre de l'éveil, mais c'est là où j'ai commencé. Ah oui, d'accord. C'était un point de TP, ça. Attends, du coup, maintenant que j'ai ça, je peux monter là-haut. Le jeu me donnerait-il des indices sur... Ah non, attends. Faut réussir à monter là-haut. Ah bah attends, pour monter là-haut, faut utiliser l'eau de pouvoir. Oh putain. Quelle horreur. Maintenant, il faut utiliser ce pouvoir. Attends. J'ai annulé le pouvoir sans le vouloir. Ah, c'est... Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Tout ça pour aller là, pour avoir un petit coffre qui va me rapporter que dalle. Ah non! C'est le vrai chemin qu'il voulait que je fasse en fait. Ah. Sans le vouloir, j'ai trouvé le vrai chemin. Ah oui, vraiment vrai chemin en fait. Parce que du coup, je suis dans la grotte où il y a le truc. Nacho yaya! Mais rentre là-dedans. Mais tiens, je vais grimper sur le mur. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Le pouvoir de revenir. Oui, d'accord, c'est le pouvoir que je viens d'avoir qu'il va falloir utiliser, genre. Regarde. Ah, il te dit à quel endroit il va finir en fait, ça c'est bien pas. Putain. D'accord. Oh. Attends-moi. Alors tu peux grimper dessus et attention. Link qui va pas du tout gerber. Wouah, coucou. Ils ont fait des pouvoirs ou c'est le bordel? Ça va être possible de faire des trucs de ouf avec. Hein. J'ai l'impression. Qu'est-ce que ça va être que ça? Ah d'accord, je viens de comprendre. Ok, ça va être affreux ça. Il faut qu'ils soient collés l'un sur l'autre. Je suis un génie, merci. Bon, je suis enfermé, mais je suis un génie quand même. Toi qui parcours, oui, allez. Ta-da-da-da. Je
Oui, que cette lueur bienfaisante apporte la force, merci. Ok. Du coup, je peux me retéper. Pas du tout au temple du temps. Mais t'es sérieux qu'il n'y a pas de TP au temple du temps? Qu'il y a là, il va falloir marcher jusqu'à là. Le mec, il devient, c'est même pas qu'il devient feignant, c'est genre, oh, putain, il va falloir que je marche 20 mètres. Pas de point de TP, quoi. Oh, j'ai tout ça à marcher, t'es sûr? Ah! J'ai eu chaud quand même. Que le nénuphar il soit couché en dessous de moi parce que. Ça aurait pu piquer! Le mec c'est un héros et tout, il arrive à faire des trucs de ouf et il meurt parce qu'il tombe à côté d'un nénuphar. Ce serait con, non? Ah, attends. Est-ce que si je vais le dessous le truc là-bas, je vais pouvoir me TP au-dessus? Enfin, passer au travers. Et ça devient une réflexion bizarre. Ah oui, je peux. Tada. Ça paraît logique. Ça se trouve, il y a un point de TP, mais comme je suis pas passé... C'est à côté. Ça va être ça le point de TP, non? Pas du tout. J'ai eu peur. Bon allez. On va montrer les gros biscottos que j'ai maintenant. Oh non, mais faut se retaper toute l'énigme. Le jeu, t'es pas sérieux quand même. En soi, c'est pas une grosse énigme, mais c'est relou. Jeu qui te fait un gros doigt, genre, hey, oh, dis donc. Tu vas travailler un peu. On a mis des nouvelles technologies, enfin, techniques. Je veux un cœur en plus. Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Ba-da-da-da. C'est un cœur malfaisant que tu m'as envoyé ou... Oh, maintenant j'ai dit biscotto. Va et ramène la paix. Attends, je vous vois à la porte surtout. Oui. Oh, genre, il te reste un quart. Pour que ce soit ouvert dehors. Avec le planeur, je suis sûr, j'aurais pu arriver jusqu'à là. J'aurais essayé des techniques un peu... J'ai la main qui clignote. C'est normal. C'est-à-dire, je vais tourner à droite. Parfait. Là, ça tu parle. Tu as réussi à ouvrir la porte. Oui. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des quatre sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Ah, c'était ça, c'était juste les miasmes. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance, et je m'en réjouis. Ah ouais, tu t'en vas, ça y est. L'homme chèvre. Zelda avait raison à ton sujet. Oh, la musique. Je vais me faire striker, moi, avec ces histoires. Je te la confie. Mais genre, tu la connais depuis plus longtemps que moi, ou...
Quand c'était son père qui me disait ça dans le 1, ça allait, mais là, c'est un homme chèvre chelou d'une civilisation qu'on ne connaît pas. Elle avait raison à ton sujet. Non, mais t'as parlé combien de fois de moi, là? Et je nage dans le sol. Putain. Ils en sont fiers de leur truc là. Un peu trop. Je le fous à toutes les sauces. Oh, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Ah, ça va être pour redonner la force à Kiki la lame. Ça paraît logique. Pourquoi? Ah, t'as un appel, Zelda. Décroche. Allô? C'est qui? Ah merde, j'ai perdu mon épée. Ah. Le mec, je pense qu'il se sent con, genre merde. Pourquoi est-ce que j'ai... Encore mon bouclier caillou, bah oui. Pourquoi j'aurais pu mon bouclier caillou? Ah oui, c'est pour montrer à Link que juste en dessous il y a Hyrule en fait. Eh hey, mais c'est chez moi, c'est juste en dessous. Link. Oui, c'est moi. Link. Oui, c'est moi. Je t'en prie, retrouve-moi. Et comment je saute d'aussi haut, moi? J'ai plus ma paravoile, moi. Attends. Je peux sauter, là? Ah mais oui, il y a de l'eau en dessous. Alors non, pas ça. Ah oui, à partir du moment où il y a de l'eau en dessous, Balek. Alors, faut tomber dans l'eau, justement. Plouf. Tada! Avec un caillou, tu sais, dans l'eau, il arrive à nager en plus. Ah, truc bien qu'ils ont rajouté, t'as vu, sur la carte, il y a les coordonnées. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Ah. Si je regarde en l'air... Ah oui, il y a les îles. Ils sont un peu cachouillés. Hein. Et si je sors ma carte, il me dit quoi? Je ne sais pas où tu es. T'es con, quoi. Ciel, surface, ciel, surface. Ah, il y a des petites îles dans le ciel, genre là-bas, là. Une petite île isolée, tu sais. Oh, il y a un gros cube au-dessus de... derrière, là-bas.
Bon, voilà, là, ils ont juste repris la carte de Breath of the Wild. Attends. Ah, c'est pas un cheval. Couché, toi. Donne-moi tes pommes. Toujours aussi lent, Link. Oh, une corne de Bokoblin. Ça en fait des choses à visiter, oui. Je suis sûr qu'Hyrule n'a pas changé tant que ça, hein. Déjà. Bon. Mon cheval. Mis à part appeler des oiseaux. Ils ont pris la même carte, ils ont juste collé des morceaux de bois comme ça, un peu des trucs un petit peu différents partout. Et voilà. Ah mais c'est parce qu'on peut faire un chariot. À l'aide. C'est Lego Master le truc. C'est juste ça. Epona. Non, il n'y a pas Epona pour l'instant. Enfin, il n'y a pas Epona du tout, c'est juste qu'il faut dompter un cheval déjà. J'ai juste besoin d'un et je m'arrête pour ce soir. Ah ouais putain comment tu. Quand t'appuies. Quand tu fais B, tu perds carrément ton. Oh. Bonjour. Tiens, tu vois. Oh merde, il est vivant. Oh merde, il est parti. Ah non, il est pas mort. Ah moi la viande de renard. Quelle horreur. Oh Ninox. Est-ce que comme dans Hyrule Warrior, si tu t'en rapproches, il pète. Dans Hyrule Warrior, quand il y a un machin grave, ça fait... Voilà. Je fais très bien l'inox. Hein. Comme mon évier. Ah, ils ont le temps de construire tout ça, mais j'ai dormi combien de siècles encore, moi? Link, te revoilà. Ça fait encore 10 ans que tu dors. Oh putain, mais si je pouvais arrêter de dormir pendant plusieurs décennies, ce serait pas mal. Hein. Encore, genre, c'est normal, bah, dans le 1, il se réveille 100 ans après s'être fait battre. Bonjour. Tu es un mouton. C'est bien vous. Où étiez-vous passé? Château est dans cet état depuis que vous et la princesse Zelda êtes partis en reconnaissance. Nous étions si inquiets. Dame Prua n'a pour ainsi dire pas fermé l'œil depuis tout, occupée qu'elle était à traquer vos moindres mouvements. Pas perturbant. Vous êtes dans le bâtiment avec le télescope et lui montrer que vous êtes sain et sauf. Fort de gay. Bonjour, c'est mon fort. Vous n'avez rien vu, rien entendu, bien évidemment. Ah mais je me rappelle de lui. Où allez eu Prua. Qu'est-ce que c'est quoi? Esprit. Esprit. Ah. Ah merde, c'est la sortie ça. Ça paraissait pas si clair que c'était la sortie, hein. D'après la copie. Ça va, tu surveilles pas les gens, toi? Ses yeux bleus. C'est lui, le chevalier, il est revenu. Oui. Boum. Oh nom de Dieu. T'as les lunettes de travers. On t'a cherché partout. On gueule pas. T'es pas un fantôme, au moins, hein? Ah, elle a regrandi dans le 1, elle est toute petite. Qui est arrivé à ton bras? Est-ce que ça te regarde? Tu veux voir ma bite? Elle est d'une autre couleur. Bon, tu vas tout me raconter.
ordres est plus détaillé. Oh, oui, maîtresse. Rigole pour. Quand tu mets ma lunette, te donne un ordre en te montrant avec un pipeau, tu obéis. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Oui. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Oui. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la terre. Oui. Zelda, la pfiasse. Le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Oui. Ça paraît logique. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. C'est logique. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Proua. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. Ça se tient. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? Je crois. Très beau résumé de mes 3 premières heures de jeu. Quoi? Tu serais tombé tout là-haut, oui. Dans une flaque d'eau, exactement. Du premier roi d'Hyrule. Tout ça n'a aucun sens, on va pas se voir la face. Cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme. Sans parler de l'envol du château et de ses ruines qui tombent du ciel. Oui. Ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse. Elle t'a dit de la retrouver, c'est ça. Je veux dire qu'elle est vivante, elle doit être sous le château d'Hyrule, certainement elle a besoin d'aide. Je sais bien que tu viens tout juste de revenir, et ça me gêne de t'imposer ça, mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse. Oh putain. C'est le récap avant une nouvelle saison, oui c'est ça. Mais te cherche toi aussi, ils sont doublement contents de te voir. Leur capitaine s'appelle Oz et ne refusera sûrement pas un coup de main. Je vois. Comment ça tu vois? Tu vois quoi? Faut toujours la sauver. Ah bah oui. Je me doute que tu ne dois pas mourir. Il n'y a que Mario qui a une princesse qui est avant-gardiste et qui n'a pas besoin qu'on la sauve. Mais il va falloir être fort, je compte sur toi, oui. Guide des personnages. Oh, oh, les artworks sont cool par contre. Les artworks sont cool. J'aime beaucoup. Étrange phénomène au château. Bon. Ça ressemble pas à un truc genre va à la fin du jeu. C'est bien déjà. Bon allez. C'est ainsi que je vais m'arrêter pour ce soir. Je cherche juste le menu. Il y a un menu en jeu ou un vrai menu, genre avec sauvegarder? Non. Ah, c'est là. Action spéciale. Longue vue. Okay. Ah oui, d'accord. Quelle action spéciale de ouf. J'ai pas sauvegardé depuis le début. Hein. Amiibo? Non, désactivé. Pouvoir, nanana, boîte de dialogue, sombre. Affichage pro. Une carte toujours pointée vers le nord, ça moi ça m'intéresse. Gyroscope, non. Voilà, merci. Allez, on s'arrête là. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, en début d'après-midi. Je pense que je pourrais streamer. Voilà. Switch Pro, c'est un leak. Rêve pas. Ne rêve pas. Est-ce que tu as envie encore de lâcher 300 balles dans une nouvelle console, Pierre? Allez, bonne soirée, bonne nuit, à demain. Si on va bien. Salut!